Bonjour tout le monde. Alors une petite vidéo pour savoir un peu ce qui vous attend suivant ce que vous allez choisir. Je sais que vous aimez bien. Et puis j'ai souvent des bons retours. Alors pas toujours parce que j'ai beaucoup de personnes qui ne me disent pas si ça a marché. Mais par contre, de temps en temps, j'ai quelques retours. Alors, vous avez le choix entre la bougie orange que je n'ai pas allumée pour éviter de faire des catastrophes. La bougie blanche et la bougie rouge cerise. Alors, je vais prendre l'oracle 111 que je suis en train de mélanger. Habitat aussi pour changer un peu. Et mon oracle des expressions. Alors, j'ai mis l'extension dedans. Donc, l'oracle des expressions avec l'extension pour qu'il y ait plus de choix. Voilà. Alors, on y va. Donc, faites votre choix. Donc je mettrai en accéléré hein, pour éviter. Ah, pardon, pour vous éviter d'attendre. On y va tout de suite. Donc là, je me tais. Voilà. Alors, si vous avez choisi la bougie orange, on a des histoires d'apprentissage, de formation qui devraient vous apporter quand même de la joie, mais également qui ferait que à un moment donné vous serez un petit peu isolé. C'est-à-dire que vous devrez vous mettre en retrait. Vous devrez vous mettre en retrait pour faire cette fameuse formation ou ce fameux apprentissage qui, encore une fois, alors, devrait vous apporter de la joie. Ça peut être quelque chose qui renvoie à la nature, aux animaux, à l'art, au mouvement, parce que c'est deux, alors je dis ces deux personnages-là, parce qu'il y a un lion, hein, ils sont en train de danser, à une expression corporelle, à une libération des émotions aussi. Mais pour faire cet apprentissage ou cette formation, encore une fois, eh bien, vous serez obligé de prendre un peu de distance. D'accord? Bon, c'est pas mauvais, hein. Si vous avez choisi la bougie blanche, alors je découvre en même temps que vous, hein. Alors, j'ai bouleversement, on fait des plans et couper l'herbe sous le pied. Donc là, il y a un changement par rapport à ce que vous aviez prévu. Vous aviez prévu de faire quelque chose, voilà, où il y avait un plan. Et puis finalement, eh bien, on va vous couper l'herbe sous le pied et ça va provoquer un bouleversement. Alors, on dit c'est marqué bouleversement subi ou provoqué, mais ouais, ça peut être dans les deux, hein. Ça peut être dans les deux cas. Soit vous êtes passif, donc on vous coupe l'herbe sous le pied et ça bouleverse vos projets, ou soit c'est vous qui allez couper l'herbe sous le pied à quelqu'un et ça va provoquer un bouleversement. D'accord? Donc des choses qui bougent. La bougie cerise. Alors j'ai un cactus qui est amusant et là j'ai les orties, c'est très curieux. Hein. J'ai bénédiction et protection. Bon, heureusement, heureusement que ça vient adoucir les deux. Ben là, j'ai envie de dire attention parce que vous risquez de vous faire mal. Voilà, qui s'y frotte, s'y pique. Hein. Et là, avec un cactus, il y a un danger. Mais il y a une protection. Donc soit vous vous faites mal d'une façon ou d'une autre, mais finalement, ça va être, comment dire, ça va être résolu d'une façon ou d'une autre. Il y a des soins qui arrivent, voilà. Donc un petit accident, quoi, que vous ne voyez pas venir. Et ça, mais c'est vrai que ça me fait penser aussi à la piqûre. Un danger par rapport à la piqûre, mais il y a une protection. En tout cas, gardez qu'il y a quelque chose qui peut vous atteindre plutôt physiquement. Quelque chose là qui est en vue. Une espèce de danger, mais vous allez pouvoir vous en protéger. D'accord? Voilà. Bon, petite vidéo hein, sans prétention. Et donc, je vous remercie beaucoup. Et puis, bien sûr, j'espère que vous me tiendrez au courant. Donc, ça, on va dire, c'est dans une semaine, 10 jours au niveau du temps. Voilà, bon week-end à tout le monde. Au revoir.